Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre nouveau rendez-vous le Grand Témoin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Duverneuil, qui est président de SUGREF. Bernard Duverneuil, bonjour. Alors, je ne vais pas présenter le SUGREF, je vais juste rappeler deux chiffres. Vous regroupez, alors deux ou trois chiffres, vous regroupez les DSI des 150 plus grandes entreprises françaises, qui représentent à elles seules 1 700 milliards de chiffres d'affaires cumulés et un budget informatique cumulé de 50 milliards de dollars. Donc si je fais d'ailleurs le calcul, en gros ça veut dire que le budget informatique moyen d'une entreprise, une grande entreprise française, c'est 3%. Mais vous me confirmez ça peut-être. Alors on va commencer par un élément d'actualité. Déjà merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un élément d'actualité. On a beaucoup parlé ces derniers mois du cloud souverain européen avec le projet Gaia-X, et il se trouve que vous avez été désigné le SUGREF en partenariat avec l'Académie des technologies et puis le pôle de compétitivité systématique comme organisateur et animateur du hub français. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez cette mission et puis nous donner un regard un peu plus général sur votre vision de ce projet Gaia, si vous pensez que c'est vraiment l'instrument qui va permettre à l'Europe de se doter d'un cloud souverain? Oui, bonjour. L'initiative Gaia-X qui a été lancée initialement par la France et l'Allemagne est aujourd'hui un grand projet européen. Donc ça a dépassé largement ce noyau franco-allemand et aujourd'hui l'ensemble de l'écosystème européen est arrimé à ce projet. Donc on en est tout à fait fiers et satisfaits. Pour les entreprises que nous représentons, il s'agit effectivement d'avoir une proposition de service sur un cloud de confiance, plutôt que souverain. En tout cas, c'est un cloud qui devrait nous permettre de positionner des données et des traitements qui soient suffisamment de confiance pour nos activités d'entreprise et administration publique, du reste. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se sont manifestées pour participer à cette grande initiative, que ce soit dans les fournisseurs ou dans les utilisateurs. Et de ce fait, la proposition qui nous a été faite d'héberger au sein du SUGREF la dimension française de ce projet, donc c'est ce qu'on appelle le hub Gaia-X français, nous a paru tout à fait pertinente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous soutenons largement cette initiative et avons accepté de piloter, vous l'avez rappelé, avec l'Académie des technologies et avec le pôle systématique, cette initiative sur le plan français, donc dans un rôle de coordination avec les autres hubs nationaux pour faciliter le démarrage de cette grande initiative. Alors effectivement, vous avez utilisé le mot confiance plus que souverain, puisqu'on a vu au premier summit de Gaia-X, on a vu que finalement on ouvrait la porte aux opérateurs de cloud américains et chinois. Donc ça veut dire qu'en fait l'idée c'est pas d'avoir cette souveraineté, mais c'est vraiment d'organiser, de définir des règles et des procédures qui permettent de garantir la confiance. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre position, c'est d'avoir un marché européen sur lequel l'ensemble des acteurs peuvent continuer à jouer. Il faut être tout à fait certain sur le fait que tout le monde peut avoir sa place dans ce jeu. Mais les règles du jeu doivent être les règles européennes. Et donc la distinction que nous avons souhaité apporter et nous avons eu gain de cause en la matière, c'est que les instances de pilotage de Gaia-X soient effectivement uniquement européennes, ce qui paraît tout à fait normal. Donc les acteurs de toute nationalité peuvent évidemment concourir, mais avec des règles du jeu qui sont définies pour l'Europe et par l'Europe. Et donc vous n'avez pas peur finalement que ces acteurs extra-européens soient un peu les loups qui entrent dans la bergerie? Le premier objet de Gaia-X, c'est de définir ces règles de fonctionnement pour établir le niveau de confiance suffisant. Donc
Si les loups veulent entrer dans la bergerie, il faudra qu'ils montent patte blanche. Ok. Alors, on va changer de sujet. On est toujours dans l'actualité, mais un petit peu plus éloigné cette fois, puisque vous avez écrit au Premier ministre il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois, une lettre dans laquelle vous faisiez part de vos préoccupations sur la cybersécurité. Alors, je dirais que d'un côté, vous louez les efforts du gouvernement. En particulier, vous aviez mentionné l'ANSSI, qui est tout à fait active et qui fait vraiment beaucoup de choses. Mais en revanche, vous notez bien qu'il y a une aggravation de la situation, c'est-à-dire qu'il y a des attaques de plus en plus nombreuses, qui sont de plus en plus intenses, et finalement vous lancez un appel auprès du gouvernement pour faire quelque chose. Alors est-ce que, finalement, en gros, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez à ce que le gouvernement mette plus des moyens pour cette défense des grandes entreprises? Est-ce que vous souhaitez qu'on mette en place un nouvel arsenal juridique un peu plus coercitif? Est-ce que vous voulez que le gouvernement communique un peu plus auprès des entreprises, notamment des PME, pour qu'elles soient plus sensibilisées à ça? Qu'est-ce que vous demandez, finalement ? Alors, la première chose, ça avait été de partager le constat. Comme vous venez de le dire, le nombre d'attaques d'ampleur et réussies ne cesse d'augmenter. Depuis 18 mois, 2 ans, on assiste à ce phénomène d'accélération. Notre préoccupation, elle est sur le plan de l'économie du pays, tout simplement, parce que ça ne touche pas simplement les grandes entreprises que nous représentons, mais tout le tissu économique. Et on l'a bien vu dans des attaques, notamment avec la PHP ou encore plus récemment sur l'Agence européenne du médicament. Donc, oui. Il s'agit vraiment d'alerter les pouvoirs publics sur cette ampleur assez nouvelle que a pris cette pluie de cyberattaques. Donc ce constat déjà a été partagé. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment les entreprises depuis longtemps se défendent avec les moyens, je dirais, classiques fournis par les éditeurs de logiciels, les éditeurs de solutions de sécurité et les bonnes pratiques, et font un travail qui est de plus en plus conséquent. Donc les entreprises sont extrêmement actives sur ce sujet. Néanmoins, cela nécessite des moyens considérables, de plus en plus de ressources et d'investissements, ce qui est pour le CIGREF finalement une ponction sur notre économie. Et le troisième élément, vous avez tout à fait mentionné, le fait que nous souhaitons faire des propositions et ne pas en rester là. Après avoir alerté les pouvoirs publics, il s'agit de mettre quelques propositions sur la table, qui ne sont pas des propositions évidemment abouties, qui nécessitent un dialogue avec les pouvoirs publics. Mais je dois dire que nous avons eu tout à fait une oreille attentive à la fois des services du Premier ministre, mais aussi du ministère de l'Intérieur, parce que nous formulons des propositions qui peuvent conduire à améliorer cette situation en termes de défense et de protection de notre économie, finalement. Mais alors, est-ce que vous pouvez donner une esquisse de ces propositions sans en dévoiler le contenu ? Bien sûr. Alors, premier élément, c'est sur le renforcement du partage d'informations. Aujourd'hui, mentionnez l'ANSSI, cette Agence nationale de sécurité des systèmes d'information fait un travail formidable, mais sa mission est de manière originelle, dirigée vers les services de l'État. Ensuite, c'est étendu aux organisations qu'on appelle les OIV, les OSE, donc les organismes d'intérêt vital et de services essentiels. Donc, ce sont les grandes entreprises qui fournissent qui sont dans des secteurs hypersensibles et que l'ANSSI aide, accompagne, et on peut vraiment tirer un coup de chapeau sur la grande expertise et la disponibilité de l'ANSSI en la matière. En revanche, se pose la question de toutes les autres entreprises qui ne sont pas forcément aussi sensibles, mais qui participent de manière extrêmement importante à l'ensemble de l'économie, donc même des grands groupes, mais aussi l'ensemble du tissu moyenne et petite entreprise. Donc ce lieu de partage d'informations nous paraît nécessaire pour diffuser les bonnes pratiques, mais aussi en cas d'alerte sécurité, de transmettre ces cas d'attaque, les conseils techniques qui vont avec, et en particulier les indicateurs de compromission
Donc on a, je pense, besoin de renforcer soit la mission de ANSSI elle-même, soit un dispositif similaire sur l'ensemble des entreprises et des administrations. Voilà un premier axe d'action. Un deuxième axe qui est peut-être plus compliqué, plus long terme, mais qui est absolument nécessaire, c'est au niveau européen, parce qu'il nous semble absolument nécessaire d'avoir une réglementation au niveau européen qui évolue par rapport à ce risque de sécurité système d'information, risque numérique, et sur deux points. D'une part, la coopération en matière policière et judiciaire, et d'autre part, peut-être une réglementation plus contraignante et plus exigeante vis-à-vis des éditeurs de solutions qui, aujourd'hui, ont une responsabilité qui nous paraît assez limitée quant à la présence de failles, de vulnérabilités dans leurs solutions. Donc, je pense qu'il y a ici une nécessité de renforcer cette réglementation qui sera peut-être faite au niveau français dans un premier temps, mais il nous semble que la vraie dimension, c'est la dimension européenne pour combattre ce fléau. Très bien. Alors, ces derniers mois, là, les entreprises ont été amenées à changer leur mode de travail, leur organisation, et dans ces changements qui ont été obligés par la situation, par la crise sanitaire, finalement, les DSI ont été en première ligne, ils ont été mis sous tension. Est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, nous donner une petite synthèse de les éléments qui ont caractérisé leur mode de changement ces derniers temps, et une question corrélative, c'est il y a beaucoup d'entreprises qui vont souffrir énormément, et donc les entreprises vont avoir sans doute l'envie de couper dans les budgets, notamment dans les budgets informatiques, alors qu'on aurait évidemment l'impression, le sentiment que c'est en ce moment qu'il faut accélérer la numérisation, la transformation numérique des entreprises, et donc il faut les budgets pour le faire. Alors, trois éléments de réponse sur le rôle et l'activité des DSI au sein des entreprises pendant cette phase de crise sanitaire. Alors, tout d'abord, c'est la mise en œuvre du télétravail de façon massive, comme vous le rappelez. Je pense, pour en avoir discuté avec l'ensemble des collègues du CIGREF, ça a été quelque chose d'extrêmement bien maîtrisé et réussi dans la quasi-totalité des entreprises. Donc, un grand coup de chapeau à toutes ces DSI, mais aussi à leurs fournisseurs. Les opérateurs télécoms ont réussi à mettre en place les capacités très rapidement. Donc, ce travail-là a été, je dirais, réalisé dans les tout premiers jours ou même premières semaines au maximum de cette crise, avec une qualité de service tout à fait remarquable. Donc ça, c'est un point tout à fait positif. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est l'accélération de la transformation numérique finalement des entreprises, parce que dans l'usage de ces systèmes d'information et de ces technologies collaboratives, on a vu forcément une mise au pied du mur de l'ensemble des télétravailleurs et qui se sont débrouillés très rapidement et très facilement. Donc ça a permis de prendre en main, de s'approprier les technologies beaucoup plus rapidement que ce qu'on essayait de faire depuis des mois, voire des années. Donc une vraie accélération. Et le troisième élément, c'est la digitalisation qui est nécessaire dans les entreprises pour la reprise. Et ça a été identifié comme un des grands leviers de la relance pour beaucoup d'entreprises. C'est le déploiement de solutions digitales. On parle beaucoup dans le grand public de click and collect, ce qui n'était pas le cas ne serait-ce qu'il y a un an. Aujourd'hui, c'est un terme tout à fait banal, le click and collect, et pour autant, toutes ces nouvelles applications que les entreprises et administrations ont pu mettre en œuvre très rapidement sont aussi le levier pour une reprise économique qu'on espère maintenant avec une deuxième vague qui va se terminer, je l'espère, avec de tout nouveaux services, de tout nouvelles offres et une expérience utilisateur avec le mobile ou l'Internet qui est désormais monnaie courante. Donc
déploiement des usages, mais déploiement aussi des services qui sont mis en œuvre par les entreprises de façon accélérée. Et vous n'avez pas peur que les entreprises... Oui, c'est ça, les entreprises et secteurs les plus touchés. Oui, mais je voulais réagir également sur la question des budgets. Ce qu'on peut voir, c'est plutôt une accélération ou un investissement plus fort sur deux secteurs, on vient de les mentionner, c'est la cybersécurité et c'est le digital. En revanche, sur la partie infrastructure et je dirais système d'information plus traditionnel et back-office, c'est là qu'on a besoin de réaliser des économies pour financer ces nouveaux investissements. Donc, le partenariat avec de nombreux fournisseurs, parce que dans les entreprises, nous sommes toujours à la recherche de solutions technologiques plus performantes pour un moindre coût, et c'est là que se portent nos efforts. Donc, accélération d'un côté et recherche d'économies sur la partie back-office et infrastructure. En fait, c'est plus une réorientation des budgets et des priorités. Et alors, vous avez justement mentionné les fournisseurs. Vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, la troisième édition de votre étude de votre rapport sur les relations avec les grands fournisseurs. Alors, c'est d'un côté les grands éditeurs de logiciels et de l'autre les opérateurs de cloud. Et donc, vous avez noté d'un côté, la bienveillance dont ils ont fait preuve pendant cette période difficile, mais vous l'avez qualifié de posture, finalement, conjoncturel dans une pratique commerciale qui est quand même assez tendue. Est-ce que vous pensez que finalement le cloud, puisque même les éditeurs de logiciels, ils évoluent vers le cloud eux-mêmes, donc leur offre va être dans le cloud, donc finalement le discours va se positionner sur cette proposition d'offre. Est-ce que vous pensez que le cloud va permettre aux entreprises, et c'est un peu ce que vous souhaitez, ce que vous dites aux fournisseurs, est-ce que ça va vous permettre aux entreprises de faire jouer justement cette concurrence plus qu'on ne le pouvait faire auparavant? C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas un leurre, c'est-à-dire que les opérateurs de cloud, au début, on parlait beaucoup de réversibilité, donc en gros, on allait vers un fournisseur, puis on allait vers un autre, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une adhérence telle que le fait de pouvoir d'aller de l'un à l'autre sera très difficile et que donc ce lock-in, ce verrou avec les fournisseurs, finalement le cloud ne va pas changer grand-chose? Alors, c'est tout à fait le sens d'une de nos conclusions dans cette étude sur les relations fournisseurs que nous effectuons tous les ans. Tous les ans, nous avons des travaux avec les fournisseurs et sans les fournisseurs entre membres du CIGREF. Le constat cette année, c'est que les mauvaises pratiques et mauvaises habitudes de fournisseurs, éditeurs de logiciels un peu anciens et traditionnels, finalement, s'est propagé dans le domaine du cloud. Et aujourd'hui, cette difficulté que la plupart des entreprises rencontrent en matière de verrouillage, de lock-in, elle est de plus en plus prégnante et les pratiques et tactiques de certains fournisseurs consistent en effet à appâter le client et l'entreprise par des prix attractifs, mais une promesse de flexibilité qui finalement n'est pas tenue, car au cours des années, les prix peuvent augmenter, mais surtout la difficulté en termes de réversibilité est absolument réelle. Aujourd'hui, on n'espère même plus de réversibilité rapide. En revanche, la transférabilité vers d'autres solutions de cloud doit être beaucoup plus importante. Et c'est du reste un groupe de travail qui a été mené à l'échelle européenne, dans lequel le CIGREF a été particulièrement actif, qui s'appelait le SWIPO, qui consistait à regarder la portabilité, à faciliter la portabilité des infrastructures d'un cloud vers un autre. Et aujourd'hui, le CIGREF a été relativement insatisfait des conditions qui se développent en la matière. Donc on y travaille toujours. C'est la portabilité d'un cloud vers un autre, comme on peut avoir dans le grand public, la portabilité de son numéro de téléphone vers un autre. Aujourd'hui, c'est une des grosses difficultés et le verrouillage est tout à fait réel. Donc les pratiques vis-à-vis de,
des éditeurs de solutions logicielles ou cloud sont effectivement assez dommageables pour les entreprises, et nous continuons à les dénoncer, et nous continuons à œuvrer non seulement au niveau national mais au niveau européen à les dénoncer et à demander une réglementation plus importante sur le sujet pour faire cesser un certain nombre de pratiques. Et vous mentionniez que pendant la période de crise, de confinement, certains avaient été effectivement bons partenaires. On a pu identifier des bons partenaires et ceux qui se prétendaient partenaires mais qui ne l'étaient pas vraiment et qui réclamaient évidemment leur dû. Alors, je voulais conclure avec vous sur à la fois un peu un retour sur le passé et puis un peu de prospective, puisque vous avez fêté récemment vos 50 ans, 50 ans du SIGREF, qui correspondent à peu près aux 50 ans de l'informatique. Et dans sa présentation, Jean-Christophe Lavelin a découpé ces 50 ans en décennies, en disant que la dernière décennie, c'était l'âge de raison. Et en expliquant que finalement, là où au début l'informatique était, je dirais, dans une sorte de bunker, hein, la salle informatique s'était fermée, personne n'y allait. Aujourd'hui, ça s'est disséminé un peu partout, et il avait donné l'impression que l'informatique échappait un peu aux spécialistes IT, aux informaticiens, comme on dit aujourd'hui. Comment vous voyez dans cette prospective, puisque vous avez publié votre premier rapport d'orientation stratégique à 2025-2030, comment vous voyez le rôle du DSI dans toutes ces évolutions et dans cette transformation numérique dont on a déjà parlé, mais qui va s'accélérer clairement dans les mois, dans les années qui viennent ? Le premier rôle du DSI dans les années qui viennent, ça va être d'accompagner cette transformation numérique qui s'est accélérée, comme on l'a dit. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais cet âge de raison nous engage en réalité à avoir une vision beaucoup plus concrète et beaucoup plus réaliste de cette transformation numérique. Alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que peut-être que de manière un peu foisonnante, de nombreux services numériques sur le digital ont été développés. Pour certains, on peut se demander si la valeur pour le métier, pour le consommateur, est bien là, est bien réelle. Donc, il s'agit là aussi d'avoir une approche peut-être de ce qu'on appelle de sobriété numérique, à la fois sur le fait de développer des solutions qui sont porteuses de valeur, mais développer aussi des solutions qui sont tout à fait soucieuses de l'environnement, parce que ça, c'est la grande tendance de fond pour le numérique, c'est aussi d'être en accord avec un certain nombre de valeurs, de responsabilités sociétales. On regarde aussi la consommation énergétique, l'empreinte carbone de ce numérique, qui aujourd'hui atteint les 4%, donc quelque chose assez similaire finalement avec le transport à l'échelle mondiale, et ça ne fait que croître. Donc notre raison aujourd'hui nous impose d'être extrêmement vigilant sur tous ces services, à la fois pour être certain que la consommation de ces services numériques reste raisonnable et que d'autre part, les services apportent réellement de la valeur et ont un effet positif aussi sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle IT for Green et Green for IT. Donc finalement, pour conclure, vous n'avez pas peur que cette nouvelle informatique, hein, puisque la numérisation, ça en fait partie, hein, c'est un nouveau terme, mais qui rentre bien dans ce qu'on appelait l'informatique il n'y a pas si longtemps, vous n'avez pas peur que tout ça échappe au DSI et qu'en fait, il garde la maîtrise pour accompagner finalement toutes les évolutions que vous venez de décrire. Alors, je crois au contraire que la place du DSI est de plus en plus importante et significative dans l'ensemble des entreprises et des administrations. On l'a vu sur cette crise, parce que finalement c'est ce numérique au sens large qui permet bon an mal an aux entreprises et aux administrations de continuer à fonctionner dans des périodes aussi compliquées que celles que nous vivons. Et par ailleurs, une dépendance extrêmement forte de l'entreprise au numérique. Sans le numérique, aujourd'hui, l'entreprise a du mal à fonctionner. Donc c'est peut-être une réflexion que le DSI va devoir porter, c'est finalement, sans le numérique, comment peut-on continuer à faire fonctionner l'ensemble de nos activités et l'ensemble de notre économie. Et à nouveau,
le DSI parce qu'il est garant de l'intégrité, de l'architecture, de la sécurité de ce numérique, garde une place prépondérante dans les entreprises en la matière. Et le rapprochement très fort entre digital et système d'information, finalement, aujourd'hui, ça fait un tout. C'est ce qu'on appelle le numérique. Et du reste, ça a été consacré dans les décrets récents qui sont parus cet été, où on a transformé le terme digital en numérique pour les pouvoirs publics. Donc on est bien dans une fusion, un rapprochement fort entre digital et système d'information. Il n'y a plus le côté technique et le côté métier. C'est un seul et même ensemble au service de l'entreprise et de la valeur créée par l'entreprise. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va rester sur cette note à la fois de synthèse et note plutôt positive. En tout cas, Bernard Duverneuil, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.